Merci pour le souffle de vie, ta présence et ta grâce. Merci pour le souffle de vie, ta présence et ta grâce. Merci mon Dieu, mon Dieu.
Yeah.
Yeah.
Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que vous êtes chaud ce matin? Est-ce que vous êtes chaud ce matin? Est-ce qu'on va rendre gloire à Jésus-Christ de la Marée? Est-ce que nous allons les lever ce matin? Alléluia. Les murs vont trembler ce matin à sa présence. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Nous allons rentrer en prière maintenant. Nous allons nous disposer. Nous allons aller à la recherche du Seigneur Jésus-Christ. Cette recherche n'est pas loin, mais ici. Parce que le Seigneur est bien ici. Mais tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler dans ton cœur. Dire, Seigneur Jésus, je suis venu dans ta maison ce matin. C'est pour être dans ta présence. Tu vas désirer comme jamais d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas lui dire merci encore ce matin. Tu vas lui dire merci pour tout le bienfait qu'il a fait dans ta vie. Tu vas lui dire merci pour ta famille. Merci pour la grâce que tu as fait dans ta vie. Aujourd'hui encore, beaucoup hier soir sont sortis. Et ils ne sont pas rentrés. Beaucoup. Mais ce ne sont pas réveillés ce matin. Mais toi, tu es ici. Tu as encore l'opportunité de louer ton Dieu. C'est pour ça que tu vas venir. Tu vas lui dire merci. Tu vas lever la voix et tu vas dire merci à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce encore que tu nous as fait aujourd'hui. Merci Seigneur pour le privilège encore que tu as permis Seigneur d'être ici Seigneur avec mes frères et mes soeurs Seigneur pour t'adorer, pour te louer Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur, tu es fidèle Seigneur. C'est pour cela Seigneur que ce matin Seigneur je veux t'adorer avec mes frères, avec mes soeurs Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons t'élever Seigneur. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'élever Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Tu es bon, merci. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon. Merci, Seigneur. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents, Père éternel. Merci, Seigneur. Je te dis merci. Les paroles me manquent, Père éternel, pour te dire merci. Les paroles me manquent pour te dire merci, Seigneur. Seigneur, c'est la grâce que tu nous fais chaque jour, Seigneur. C'est parce que tu fais grâce tous les jours. Nous ne méritons rien, Père éternel. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Mais tu permets, Seigneur. Tu permets, tu nous as permis d'être ici dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus-Christ. Ensemble avec mes frères et sœurs. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te louer, j'adore ici. Seigneur Jésus qui nous a été. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus qui nous a donné. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, Seigneur. Merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Parce que tu ne mérites pas, on ne mérite rien du tout. Mais il te fait grâce tous les jours. Il te fait grâce tous les jours. Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier.
Tu vas encore aller à la face du Seigneur Jésus-Christ, Nazareth. Tu vas encore t'humilier devant lui. Tu vas plier ton cœur devant lui ce matin. Pour lui demander encore pardon. Pour tout ce que tu as pu penser. Pour tout ce que tu as pu voir qui n'a pas été dit du Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce que tu as pu dire qui n'a pas été dit du Seigneur Jésus. C'est pour cela que tu vas plier ton cœur. Tu vas prendre la position qui est plus agréable. L'important, c'est que ce soit ton cœur à te plier devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Demande-lui pardon encore. Demande-nous pardon encore au Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, te demande pardon, Seigneur. Te demande pardon, Seigneur. Oh Seigneur, oui, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur. Parce que souvent, Seigneur, nous péchons contre toi, Père éternel. Nos pensées, Seigneur, sont mauvaises, Seigneur. Nos langues, Seigneur, parfois, Seigneur, dit des mauvaises choses, Seigneur, qui n'est pas agréable à toi, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur. Te demande pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, Seigneur. Que tu puisses avoir miséricorde, Père éternel. Que tu puisses avoir miséricorde de tout, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne les enfants aussi, Seigneur. S'ils ont fait mal, Seigneur. S'ils n'ont pas respecté leurs parents, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, les enfants, Seigneur. Ils sont ici, Seigneur, pour te demander pardon, Père éternel. Ils sont ici pour te demander pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Que tu puisses avoir pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Oh, Père éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh là, Seigneur, où je t'ai déçu, Seigneur, Jésus-Christ. Là où encore dans cette journée, Seigneur, cette matinée, Père éternel, si j'ai péché contre toi, Père éternel, si j'ai mal pensé, Seigneur Jésus-Christ, si mes regards n'ont pas été bons, Seigneur, si j'ai blessé quelqu'un, si j'ai blessé ma femme ou mes enfants, Seigneur, si je t'ai blessé à toi aussi, Seigneur, un frère, une sœur, on te demande pardon, Seigneur, on te demande pardon, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, pardon Seigneur, pardon Jésus, pardon Père, pardon Seigneur. Pitié de nous Seigneur, pitié de nous Seigneur, pitié de nous Seigneur. Nous ne sommes pas dignes Père éternel, nous ne sommes pas dignes Seigneur de ton pardon Seigneur. Mais tu le fais Seigneur pour ta grande beauté que tu as Seigneur. Pour la croix, Seigneur. Pour la croix, Seigneur. Pardonne-nous. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, oui, Père éternel. Pour toute négligence de ton œuvre, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Père éternel, pardonne-moi, Seigneur, pour rien, pour l'évangélisation, Seigneur. Si je n'ai pas été digne, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne tes frères, pardonne tes sœurs, Seigneur. Pardonne-leur. Alléluia. Pardon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ maintenant. Pour qu'il te lave, pour qu'il te purifie de tout péché, de toute iniquité. Bois le sang de Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui te lave. Le sang de Jésus qui te donne la paix. Le sang de Jésus qui te donne la joie. Oh Père, demande-lui ce sang. Afin que tu te laves, qui te rend pur, qui te rend pur. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous, Père éternel. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous, Seigneur Jésus. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Purifie-nous. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Nous te présentons nos
Jésus, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, visite chacun de nous. Visite chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, va trouver chacun de nous, Seigneur. Car chacun de nous, Seigneur, a besoin de toi. Chacun de nous, Seigneur, veut recevoir encore ce moment de toi. Oh, Père éternel, que ton esprit se repose sur chacun de nous, Seigneur, avec puissance. Seigneur, descend sur chacun de nous avec puissance, Seigneur. Regarde ton cœur, Seigneur. Regarde ton cœur, Père éternel. Oh, Seigneur, regarde, Seigneur, les supplications de tes servantes, Seigneur. Regarde les cœurs de tes servantes, Seigneur. Regarde le cœur, écoute le cœur, Seigneur Jésus. Écoute ce cœur, Père éternel. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Père éternel. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus de toute la crête. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Tu es bon, Père éternel. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Père éternel, écoute cette prière, Père éternel. Écoute cette prière élevée à toi, Père éternel. Oh, Seigneur, écoute cette prière, Seigneur. Seigneur. Oh, Seigneur, exauce, Père éternel. Au nom de Jésus, exauce. Au nom de Jésus, exauce cette prière, Père éternel, ce matin. Alléluia. Exauce les prières des enfants ce matin. Exauce-les, Seigneur. Seigneur, exauce, Seigneur, qui a un cœur blessé, Père éternel. Guéris ce cœur blessé ce matin. Guéris le cœur blessé ce matin. Guéris, Seigneur, qui a l'esprit abattu ce matin, Seigneur. Donne la force, Père éternel, de nous soulever, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est là. Jésus est là au milieu de nous. Seigneur est là à côté de toi. Ne dites pas que le Seigneur est là à côté de toi ce matin. Il entend ta prière, il entend ta voix. Il entend ta voix. Il écoute, il voit ton cœur, il voit ta sincérité. Le Seigneur il veut te exaucer. Le Seigneur il veut te exaucer aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a grandi pour toi aujourd'hui. Parce que tu es au milieu de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es au milieu du grand Dieu. Tu es au milieu du roi des rois. Tu es au milieu du sixième, le premier, le dernier, le tout puissant. Oh Seigneur Jésus, tu te guéris, Seigneur. Tu es le docteur par excellence. Tu es le docteur par excellence, Seigneur. Qui peut, Seigneur? Le Créateur n'a pas pu te retenir, Seigneur. Le Créateur n'a pas pu te retenir, Seigneur. Le Père éternel, guéris, visite, visite, Seigneur. Visite, Père éternel, visite. Touche le cœur, Seigneur. Le Père éternel. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur. Seigneur. Esprit de Dieu, viens, descends. Nous t'adorons, Seigneur. Descends au milieu de nous. Descends parmi nous, Seigneur. Oh, descends parmi nous, Jésus. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Alléluia. 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 Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, nous t'appelons, oui Seigneur, nous te réclamons Seigneur, nous te réclamons Seigneur. Regarde Seigneur combien nous sommes, Père éternel, regarde combien nous sommes Seigneur, nous sommes là pour toi, Père éternel,
Rassemble-la pour toi, Seigneur. Pour te bénir, pour te louer, Seigneur. Pour te dire encore merci. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Écoute cette prière de l'Éternel. Écoute la prière, Seigneur. Exauce cette prière, Seigneur, pour sa propre, Seigneur. Exauce ton peuple pour l'Éternel. Exauce ce cœur, Seigneur. Guéris ce cœur de l'Éternel, pour l'Éternel. Guéris-le. Alléluia. Guéris le cœur pour l'Éternel aussi. Guéris le corps, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu es Père de l'Éternel. Tu es grand Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier maintenant. Tu vas saisir maintenant l'épée. L'épée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas combattre contre tous tes ennemis. Tu vas réclamer le feu de Saint-Esprit. Tu vas prendre toutes les armes que le Seigneur t'a données pour combattre pour tous ceux qui veulent à ta vie, à ta vie physique, à ta vie spirituelle. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Commence à prier, commence à se développer. Prie, prie. Oh Seigneur, il est le feu, il est le feu divin. Oh Seigneur Jésus-Christ, avec Seigneur. Nous saisissons, Seigneur, l'épée maintenant, Père Éternel. Nous saisissons l'épée, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, pour détruire tous nos ennemis, Père Éternel. Pour détruire, Seigneur, le monde de ténèbres, Père Éternel. Tout ce qu'on veut, Seigneur, à nos vies, Seigneur. Tout ce qu'on veut, Seigneur, à l'Église, Père Éternel. Tout ce qui va détruire ton œuvre, Père Éternel. Nous saisissons, Seigneur. Et nous allons le combattre maintenant. Nous allons le combattre maintenant. Il s'est détruit. Il est détruisant. Il va s'en détruire maintenant. Que vous êtes les ténèbres. Tout l'organisation, tout satanique, nous sommes venus. Te dégager, mon cher, tu veux bien disparaître de ta vie, va disparaître de ta vie, ne perds pas, ne perds pas, au nom de ténèbres, ne perds pas, au nom de ténèbres, celui qui a en toi est plus puissant, celui qui a en toi est plus puissant, regarde-le, et commence à te détruire maintenant, commence à te détruire, oh, détruit par le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, que ton feu là, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, je crois que tu peux maintenant, que ton feu, que ton feu, oh prie, oh Seigneur Jésus Christ, oh Seigneur, oh Seigneur, on va le feu, on va le feu, on va le feu, je le dis, Seigneur, tout ce qu'on veut dans ma famille, tout ce qu'on veut dans mes enfants, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, en toute caméra, Seigneur, et que vous placez, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, nous le décisons, au nom de Jésus, tout ça, Seigneur, Seigneur, toute chaîne, Seigneur, que Dieu lui vient de reconnaître, toutes les personnes vont être prisées maintenant, Seigneur, oh Seigneur, toutes ces masques que toi, tu, Seigneur, donne encore, il n'est pas de toi, Seigneur. Il est une prison, Seigneur. Nous prenons ces semences, Seigneur. Il est arrache. Tu arraches ces mauvaises semences. Arrache ces mauvaises semences. Toutes semences qui existent. Que tu plantes en toi. Toutes semences que tu plantes en toi. Arrache-les. Arrache. Arrache maintenant, je l'ai pris par le feu,
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, éternel,
Seigneur, pas sorti mon âme.
Jamais de l'enfant.
tes enfants. Remplis par ton feu, Seigneur. Que ça déborde, Jésus. Que ça déborde maintenant.
que ça te déborde, que ça te déborde, que ça te déborde maintenant. Seigneur, regarde les têtes qui sont disposées. Regarde les têtes qui sont disposées. Regarde les cœurs pour être maître. Maître, recevez. Maintenant, Seigneur, recevez. Maintenant, recevez le feu. Maintenant, recevez le feu. Maintenant, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Maintenant, recevez. Alléluia. Lève-toi de louer Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Yeah.
Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merveilleux, mon Seigneur. Amen. Avant de disposer maintenant. Tu vas te disposer à entendre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, il y a quelque chose à notre secrètement à chacun de nous. Amen. Disposer ton cœur. Chacun de vous, prenez votre épée. Les enfants, assis, tranquilles. D'accord ? C'est un moment. Parce que le Seigneur va parler. D'accord ? Par l'acte que
et la personne a posé. Que le Seigneur Jésus-Christ étend ta main sur sa famille. Étend ta main sur sa famille, sur sa maison, sur ses enfants, sur son foyer. Que le Seigneur Jésus lui-même se manifeste à sa maison. Le roi Ézéchias lui a dit, Seigneur, regarde les bienfaits que j'ai fait pour toi, dans ta maison. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Je t'en supplie par l'acte que la personne a posé, Seigneur Jésus. Regarde, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur Jésus, ce qui est apporté dans ta maison. Père éternel, c'est pour que nous t'adorons. C'est pour que nous te louons. C'est pour que nous glorifions ton Seigneur. Seigneur Jésus, regarde comment nous sommes en joie ce matin. Regarde comment la joie, Seigneur, nous agrippe ce matin. Regarde comment la joie nous agrippe ce matin. Car tu as dit que tu sièges au milieu des louanges et des grâces. Merci, Père éternel. Seigneur, bénis sa maison. Bénis sa maison, Père éternel. Bénis sa maison, Seigneur Jésus. Bénis sa maison, Seigneur Jésus. Tout ce que tu as porté, Seigneur Jésus, Père éternel. Bénis les maisons. Au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons béni. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus Christ. Amen. Alléluia. Dans la chanson tout à l'heure, il y a un moment qui a chanté Allons-y. Si tu vas, je vais pas saisir ce côté. Si tu ne vas pas. Si tu es dans la colonie, tu n'es pas. Alléluia. Là au Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. La parole de Dieu déclare selon le livre des Sceaux, chapitre 84, à partir du verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ dit, mieux vaut un jour dans tes pavés que mis ailleurs. Alléluia. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Alléluia. Soyez disposés. Surveillez les enfants. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, mieux vaut un jour dans tes pavés que mille ailleurs. Ta présence ici n'est pas en vain. Amen. Alléluia. Amen. Ta présence ici n'est pas en vain. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi tout le temps on aime dire, quand tu viens avec le cœur de joie, Amen. De paix, d'amour. Mets en toi que je viens adorer le Seigneur. Le temps que tu passes ici n'est pas un temps vain. Amen. Alléluia. C'est un temps que tu vas récolter. Amen. Parce que le Seigneur, regardez, le Seigneur nous regarde. Il voit nos persévérances. Ah, malgré comme ça là, les enfants sont là. Malgré comme ça là, ils sont tout le temps là. Malgré comme ça là, regardez comment mes enfants dansent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pendant le moment de culte, dans tout ce que nous allons faire, sois disposé. Connais tout cet esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Grâce à ce papier. Le thème de ce matin, c'est la distraction. Amen. Alléluia. Amen. La distraction. Et de Dieu, nous devons sortir de la distraction. Amen. Aujourd'hui, le monde est rentré dans la distraction. Le monde est plongé dans la distraction. Or, nous, les élus de Dieu, nous ne devons pas faire partie. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 24. Il dit, même si les élus même ne font pas attention, ils seront séduits. Alléluia. Donc, nous-mêmes, on doit prendre garde à nous-mêmes. Parce que lorsqu'on parle de la distraction, on parle de quelqu'un qui est distrait. Or, la distraction, c'est une arme fatale que l'ennemi utilise pour affaiblir les chrétiens ou les enfants de Dieu. Amen. Pour les enfants endormis.
C'est ça la distraction. Alléluia. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas distrait. Ne laisse pas la distraction entrer lorsqu'on dit disposez-vous. Alléluia. Parce que pour que le Seigneur te parle, il faut que tu sois disposé, concentré sur ce que tu es venu faire ou sur ce que tu attends de faire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la distraction aussi prive les chrétiens du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la distraction, quand il vient, la distraction n'est pas du Seigneur. C'est pour l'ennemi. Donc quand il vient s'aimer. Parce que quand l'ennemi va te faire sortir dans sa bergerie, il amène la distraction. C'est là que tu vas voir que l'église est dans les querelles. L'église est dans les disputes. Les soeurs, les frères s'attaquent. En fait, c'est la distraction de l'ennemi. Mais si toi, tu n'as pas compris cela, que tu te plonges là-dedans, tu vas noyer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La distraction. Lorsqu'on parle de la distraction, vous savez, chacun de nous ici, j'ai dit la dernière fois que le premier âme à gagner, c'est nous-mêmes d'abord. Amen. Alléluia. C'est nous-mêmes d'abord. Maintenant, lorsque le Seigneur maintenant te fait sortir, il t'est équipé. Quelqu'un prend le livre de Lévitique 20. Lévitique chapitre 20 à partir de verset 26. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous serez saints. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Je lis la parole avec respect. Lévitique 20, le verset 26. Vous serez saints. Vous serez saints. Pour moi. Pour moi. Le Seigneur dit, vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. Je vous ai séparé de. Je vous ai séparé de peuple. Donc le Seigneur Jésus nous a séparé du peuple pour que nous soyons à lui. Alléluia. Donc maintenant, lorsque le Seigneur maintenant te récupère, lorsque le Seigneur te récupère, maintenant tu es charge sur toi. Ça veut dire ta famille. Tu dois prier ta famille au Seigneur. Ta famille doit venir au Seigneur Jésus-Christ. Josué a dit, il dit, bon, que chacun choisit. Celui qui veut aller adorer les idoles, celui qui veut aller adorer ça, que chacun choisit. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, toi et ta maison doivent servir l'Éternel. Regarde. Le Seigneur t'a fait sortir de la boue. Il t'a séparé du peuple. Il t'a retiré de la boue. Il t'a fait sortir des ténèbres. Et il t'a envoyé de la lumière. Lorsque tu étais perdu, le Seigneur t'a récupéré. Il t'a envoyé dans sa péché, dans la vérité. Maintenant, il te dit, toi, maintenant, il faut que tu fasses sortir ta famille qui est dans l'obscurité. Amen. Mais comme l'ennemi voit ça que toi, tu as déjà, ou tu es déjà rentré dans la bergerie, l'ennemi va envoyer la distraction. Ce que tu devais t'occuper, tu ne t'occupes plus. Maintenant, tu t'occupes maintenant des choses vaines. Oh, ta famille est là en train de souffrir dans les ténèbres. Ta famille est en train de crier. Les âmes sont en train de crier. Les âmes sont en train de pleurer. Comment ils vont sortir pour venir là où toi tu es? Donc, l'ennemi est jeté la distraction. Alléluia. Si nous devons gagner aussi nos familles, on doit faire tout possible. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ézéchiel, je crois qu'Ézéchiel 16 comme ça, où le Seigneur dit, si tu ne dis pas aux méchants, si tu meurs, le Seigneur va te les demander, mais si tu le dis, il faut que tu pêches à ta famille. Ne laisse pas la distraction entrer entre Dieu et toi. Alléluia. Parce que le but de la distraction, c'est que tu sois distrait. Et tu ne t'occupes plus des choses
ou des choses du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 7. Corinthiens 7, verset 35. Et nous savons aussi que Dieu n'existe pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle à ses enfants. Alléluia. J'ai lu la parole avec respect. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre. À ce qui est bienséant et propre. À vous attacher au Seigneur sans distraction. À vous attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Donc, on doit s'attacher au Seigneur sans distraction. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois t'éloigner de la distraction. Voilà pourquoi, dans ta marche chrétienne, tu dois vraiment faire attention. Amen. Alléluia. Parce qu'il s'agit de l'âme de chacun de nous. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ sans distraction. Nous devons s'éloigner de la distraction. Alléluia. Quelqu'un dit, je vais me distraire, il prend jeu vidéo. Alléluia. Amen. Quand on veut se distraire, en tant qu'un enfant de Dieu, tu sors au dehors pour aller voir Jésus. Ça, c'est la meilleure distraction. Amen. Quand tu veux te distraire, tu sors au dehors pour aller voir Jésus. Alléluia. Mais quand tu veux te distraire, tu dis, tu prends un jeu vidéo un peu, bon, tu vas jouer un peu, tu vas regarder un peu les matchs. Alléluia. Ce sont les choses de la terre. Il faut te distraire dans l'évangélisation. C'est là que Dieu va agréer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons aussi que la distraction aussi fait que nos pensées n'est pas la pensée du Seigneur. Alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire, vos pensées les pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. En fait, c'est la distraction qui fatigue le peuple de Dieu dans l'église, je dis. Alléluia. C'est ça qui envoie querelle. C'est ça qui envoie dispute. Mais le but, c'est quoi? L'homme de Dieu a prêché le dimanche parce qu'il a parlé de Goliath. Tous ces entités-là, c'est eux qui viennent dans l'église. Parce qu'il ne peut pas te faire sortir directement de la bergerie du Seigneur. Parce que le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour-là qu'ils ont déclaré la guerre avec toi. Tu sais, toi, tu es dans l'église de Rouge à l'air, dans l'église de Talon. Non, ça, tu es déjà dans le frigo. Mais quand tu rentres dans l'église de la sainteté, comme le Seigneur a dit, vous serez saints, comme moi je suis saint. Quand tu rentres dans l'église de la sainteté, c'est le jour-là qu'ils vont déclarer la guerre avec toi. Donc il y a les trois ennemis qui attaquent les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a le monde, il y a le diable, et puis il y a la chair. Mais ce qui est proche de toi, c'est la chair. Alléluia. Voilà pourquoi ta chair ne doit pas te dominer. Quand tu as la colère, toi, la colère ne doit pas te dominer. L'orgueil ne doit pas te dominer. Il y a d'autres, même la calomnie, même les domine fatigués. Alléluia, il ne peut plus résister. Alléluia, toutes ces choses ne doivent pas nous dominer. Or, lorsque tu es dans la sainteté, quand ces choses te dominent, commence à chier la délivrance. Alléluia, commence à pleurer la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur t'aide à retirer toutes ces choses. Voilà au Seigneur Jésus-Christ. Au fait, la parole que nous écoutons, c'est la parole du royaume des cieux. Amen. C'est pour que notre âme soit sauvée.
On te dit la vérité pour que ton âme soit sauvée. Nous aussi, on mange cette vérité-là. Parce qu'il faut qu'on le mange. Si on ne mange pas, on ne peut pas aussi donner. Il faut manger d'abord. Et il faut donner aussi. Nous devons sortir de la distraction. Même dans l'église de Dieu, sans même parler de l'église de la voie lâche, même dans l'église de Dieu, où la sainte doctrine est prêchée, la distraction envahit l'église. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était dans l'église de la voie lâche, on respectait les hommes de Dieu, on faisait tout, on les classe. Mais lorsqu'on est rentré dans la vérité, l'orgueil va nous fatiguer, l'orgueil nous tue. C'est nous, on est trop spirituel. On ne nous parle plus. Quand on te dit un mot comme ça, lui, il se fait s'énerve, ou bien il s'énerve. Il est trop spirituel. Voilà, c'est elle qui voit les visions. C'est elle qui voit tout. C'est lui qui voit tout. Non. Or, quand tu étais de l'autre côté, là, tu ne faisais pas ça. Ça veut dire que le passé, même si le machin t'a fait, tu as dit oui, papa. Amen. Non, c'est ça. Dieu merci, nous tous, on a passé par là. Amen. On a passé par là. Mais aujourd'hui, tu es entré dans la vérité. Il faut t'humilier. Parce que quand tu ne t'humilies pas, la distraction va t'accueillir. Il va te dire bonjour. Alléluia. Parce que le but de la distraction, c'est que tu puisses rater le ciel. Au temps de Noé, lorsque Noé prêchait la parole de Dieu, la distraction a frappé le peuple. Il dit, mais qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur va envoyer nous la pluie. Non. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus prend l'image du temps de Noé, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même chose. Donc le peuple sera frappé. Le monde sera frappé de la distraction. Ils vont se distraire. Voilà pourquoi la Bible dit que non. D'autres vont se marier. D'autres vont marier leurs enfants. D'autres vont faire marier leurs enfants. Alléluia. Donc il y aura la distraction. C'est quand l'église a monté. C'est là que le peuple de Dieu va commencer à avoir soif de la parole. Prenez le livre d'Amos. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, verset 11. Alléluia. Amos chapitre 8, verset 11. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur. Ah, le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur. C'est Jésus qui parle. Mmh. L'Éternel. L'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'envoie quoi? J'enverrai la famine dans le pays. Dans le pays. Mmh. Non pas la disette du pain. Non pas la disette de pain. Et la soif de l'eau. Et la soif de l'eau. Mais c'est quoi? Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Mmh. Alléluia. Donc ils vont avoir la soif d'attendre la parole. Pendant que maman gâte est dans la République, en train de dire que tu vas aller en enfer. Répands-toi. Répands-toi. En ce moment-là, le peuple de Dieu n'attend pas. Pendant que maman Rachel est en train de crier, répandez-vous. Répandez-vous. Le Seigneur arrive bientôt. Le peuple ne l'attend pas parce que la distraction est là. Alléluia. Mais un temps arrive, dit le Seigneur, où ils vont commencer à avoir la soif de la parole qui était prêchée, qu'ils ont attendue à quelque part. Par moment, maman en Gabriel. Ils vont commencer maintenant à chercher cette parole. Mais cette parole-là est déjà partie. Alléluia. Amen. Mais au Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi, Père de Dieu, ne te lie pas à la distraction. Même lorsque tu occupes, la distraction ne doit pas t'envahir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi même les enfants, tu dois t'occuper des enfants. Parce que la parole qui sort, chaque parole qui sort, vient pour guérir, vient pour restaurer, vient pour établir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc la parole que tu dois attendre, que tu dois écouter, ne laisse personne te distraire. C'est là pendant le but, même les enfants, occupez-vous d'eux. Alléluia. Il faut que les enfants aussi écoutent la parole. Alléluia.
La distraction se mêle à la négligence. Non, on sait Jésus. La distraction aussi te donne la négligence. Ça veut dire qu'il envoie la négligence. Parce que la distraction et la négligence, ils marchent ensemble. Lorsque la distraction rentre à toi, automatiquement, tu commences à négliger le Dieu. Ça veut dire les choses du royaume, les plus des choses. Alléluia. Les choses du royaume, les plus même. Tu ne t'occupes même plus des choses du royaume. Tu négliges. Oh. Ils vont nous dire encore de se répandre. C'est quelle église on se répand tout en même. Dieu est mis en genoux encore. Alléluia. C'est la distraction. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde personne. C'est cela que tu veux occuper. Ne regarde personne. Mets-toi intimement en genoux. Mets-toi en genoux. Adore le Seigneur. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. La Bible dit que c'est la persévérance qui fait notre ciel. Il dit, celui qui persévérera, celui qui sera sauvé. Alléluia. La distraction. Nous devons sortir de la distraction. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prendre le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 2. Et le livre de Matthieu 6, 33. Colossiens 3, verset 2. Et Matthieu 6, 33. Colossiens 3, verset 2. Je lis la parole à la messe. Affectionnons-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Oui. Le Seigneur dit affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut. Matthieu 6, c'est toi. Aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque la distraction vient, il te pousse à rechercher les choses de la terre. Alléluia. Vas-y. Matthieu 6, 33. Mm-hmm. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La distraction fait que tu mets les choses de Dieu en second plan. Vous savez quand on travaille là, quand le patron parle, on coupe comme ça. Où est-ce que vous venez? Député. Mais quand c'est Jésus, on dit Jésus, tu parles tant que. Alléluia. C'est ça aujourd'hui, c'est ça la violence des chrétiens qui vivent dans tout le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi le travail que tu dois faire maintenant. Commence à demander au Seigneur de t'aider à chercher le travail que tu vas faire. Parce que c'est important. Parce que l'œuvre de Dieu, pendant que tu travailles, lui, quand tu travailles, c'est là-bas que tu gagnes le pain pour manger. Pour payer le loyer, facture, tout ça. Mais l'œuvre de Dieu ne doit pas être second plan. C'est très, très important. Moi, pendant que je faisais le travail avec les mannequins où on m'appelait tout ça, arrivé à certains moments, on m'appelle samedi. On m'appelle plus, on m'appelle pas samedi avant. Mais on m'appelle samedi, maintenant samedi. Il dit quoi? Donc on m'appelle samedi, ceux qui sont disponibles, j'appelle mes frères et dis bon, allez-y. Alléluia. Mon évangélisation là, j'ai tout à faire. Alléluia. Parce que l'œuvre de Dieu doit être en premier plan, en première place. C'est le Seigneur qui donne le travail. C'est le Seigneur qui donne l'argent. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous donne ce souffle pour aller travailler. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. À cause de la distraction, nous mettons maintenant les choses de Dieu en second plan. Or, nous devons mettre les choses de Dieu en premier plan. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à cause de la distraction aussi,
ça fait que tu n'écoutes plus la voix du Seigneur. Quand le Seigneur veut parler, tu es distrait. Oh, le Seigneur ne descend pas dans un corps qui est distrait. Non. Le Seigneur ne descend pas dans un corps qui est distrait. Un corps qui est disposé, concentré sur son lieu. Voilà pourquoi lorsque tu es devant le Seigneur Jésus, tu te concentres, concentre-toi. Concentre-toi au Saint-Esprit de Dieu. Dispose-toi au Saint-Esprit de Dieu. Pour que le Seigneur puisse voir. Il regarde. Qui est disposé? Qui est là? Par qui je peux passer? Par qui je peux faire voir ces choses? Mais il n'y a pas. Alléluia. Là au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous libérer de la distraction. Regardez Marie et Matthée. Prenons le livre de Luc 10. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10. Amen. Le verset 38 à 42. Amen. Comme Jésus était à chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe. Le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied de Jésus. Au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Regardez ce que Marthe va dire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui répondit. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi sa part. La bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu choisis la parole, c'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est lui d'abord. Alléluia. C'est lui d'abord. Pendant que Marthe est en train de s'occuper des choses de la maison. Jusqu'à dire au Seigneur, mais Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Le Seigneur dit, mais tu t'occupes de beaucoup de choses. Marie a choisi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, devant le Seigneur Jésus-Christ, il faut choisir ce qui est nécessaire. Alléluia. Lorsque nous parlons de gêne, pendant que d'autres attendent de rechercher le Seigneur Jésus-Christ, d'autres assis à quelque part attendent de manger même la paix des doigts. Alléluia. La distraction. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Alléluia. Même d'autres, même quand on dit, il y a un jeûne de 16 jours, il y a un deuil spirituel qui est dans sa vie. Dans la maison, Seigneur, pourquoi j'ai allé là? Pendant que j'ai rempli mon frigo là. Alléluia! 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 Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Vous savez, avec la parole, c'est la joie aussi. Pendant que ces choses arrivent, ça veut dire que la parole hante. Mais tu as la joie. Tu vas voir que ton âme est en joie. Ton âme en paix. Tu es tranquille.
tu vois que tu n'es pas venu ici en vain. Alléluia. C'est ça la parole qui nourrit l'âme. Là, au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand tu ne gênes pas une semaine, tu attends de rétrograder. On est dans cette vie la vérité. Une semaine, tu ne gênes pas. Tu attends de rétrograder. Alléluia. Pardon, pour gêner. Pardon. Parce que le gêne, là, ça vient pour nous. Établir la connexion entre toi et Dieu. Ça établit encore. Et ça nettoie encore tes dons. Ça fait un nettoyage spirituel. Le gêne, c'est ça. Parce que le raisonnement de ceux qui gênent, c'est ceux-là qui cherchent les choses du ciel. Mais le raisonnement de ceux-là qui mangent. Donc, les ventes, manger les choses qui gênent les gens de la terre. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons gêner. Ne fais plus d'œil, pardon. Faut vider ton frigo. Quand tu vis ton frigo, quand il y a gêne, tu dis, bon, viens, moi, mais je ne vais pas manger dans la maison. Viens, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons sortir de la distraction. Sors de la distraction. Et je vais parler aussi de ici, à Rennes. Nous devons sortir de la distraction. Parce que ce message n'est pas ici seulement. C'est ceux-là qui regardent. C'est tous ceux qui vont regarder. Ça parle de tout le monde. Alléluia. Toi qui es ici, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il faut que le Seigneur voit. On est zélé. On est sur nos pieds. On persévère. Alléluia. Obligatoire. Il faut comprendre qu'il y aura des vents. Mais quand les vents arrivent, il ne faut pas être distrait. Ne laisse pas la distraction entrer. Parce que le vent qui souffle, ça veut dire que l'ennemi récupère quelqu'un parmi vous, ou parmi nous, on va dire, parmi nous, qui n'est pas trop assis. Sa maison n'est pas trop assis. Donc, il récupère quelqu'un qui est faible. Alléluia. Pour essayer de troubler les paix de Dieu. C'est toujours comme ça. Alléluia. C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi toi, quand tu vois ces choses, commence à t'éloigner. Commence à t'éloigner. C'est tout. Il faut comprendre que quand les choses arrivent comme ça, beaucoup qui sortent dedans, c'est que c'est la calomnie qui sort. Oui, parce qu'une fois que le peuple de Dieu est frappé de la distraction, automatiquement, c'est la calomnie. On récupère maman Anne Gabriel, on dépose maman Anne Gabriel chez maman Gat. On la récupère ici, on le dépose chez maman Gat. En fait, c'est comme ça. Hein. Quand la distraction entre net là, on récupère maman Anne Gabriel, on la dépose ici. Dès qu'on la dépose ici, on la récupère ici, on dépose là-bas. Dès qu'on la récupère, on vient déposer chez maman, le fait ça. C'est comme ça. C'est le colportage. Transporter. Alléluia. En fait, c'est la distraction de l'ennemi. Mais si toi, tu ne comprends pas ça, tu commences à avaler, tu commences à rentrer dedans. Toi aussi, tu commences à rentrer. Or, les mêmes esprits, quand ils se croisent comme ça, c'est fini. Ça veut dire, calomnie et calomnie se croisent, c'est fini. Ils vont se récupérer, dès qu'ils se récupèrent. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous voyez, la prière qu'on fait ici, c'est pour nous aider. La prière de combat qu'on fait tout le temps. Ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi même pendant la prière de combat, soit dispensé. Prie pendant la prière de combat. C'est pour nous décharger, de nous libérer de toutes ces choses, de toutes les flèches. Il faut que le Seigneur retire toutes ces choses. Parce que la Bible dit que rien de celui ne rentrait pas au ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons fuir la distraction. Parce qu'il faut comprendre que obligatoire. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit à les disciples. Il les a prévenus la persécution à venir. Ce qui va arriver. Obligatoire. Donc dans l'église de Dieu, les gars, même malgré qu'on n'est pas nombreux comme ça, si l'ennemi voit quelqu'un qui est fait par nous, il va les récupérer. Donc quand il va les récupérer, il va bien déposer les sémences. Il va commencer maintenant. Par la personne maintenant, il va commencer à troubler le peuple. Mais si toi, tu es éveillé, ça ne rentre pas.
Ça ne passera pas. C'est ça. Alléluia. Voilà pourquoi on doit te veiller. Quand il y a une information, parce que lorsqu'il y a des soucis, il y a des informations, quand ça arrive comme ça, c'est ça qui fait que le peuple de Dieu est distrait. D'autres sont découragés parce qu'ils se livrent à la distraction, ils sont découragés. Alléluia. Même pour venir dans l'église ici, même d'autres même sont découragés. Quand ils voient l'acte que le peuple de Dieu, qui est dans la sainte doctrine, on ne parle plus de ceux qui sont là-bas, de la sainte doctrine, faire comme ça, il est découragé. Alléluia. Mais le peuple qui est veillé, quand ça vient, que le vent vient, il ne faut même pas dire, il faut être tranquille. Alléluia. Les enfants soient disposés. Alléluia. Nous devons faire fuir la distraction au milieu de nous. C'est très très important. Alléluia. Bravo Seigneur Jésus-Christ. La distraction doit sortir dans son église. Il faut que nous travaillions. Il faut que nous travaillions pour le Seigneur Jésus-Christ. Fuis la distraction. Regarde, si tu peux attendre quelque chose, c'est juste en fait le but. Comme Dieu a dit, parler de Goliath. Le but, c'est que on veut te faire regarder. Parce que quand il y a une information qui est injectée, le but là, c'est de te distraire. Quand tu acceptes ça, ils vont te faire regarder. Ton feu va diminuer. Même tu ne pries plus. Parce qu'une fois que tu manges, ou bien quand tu avales, même pour prier la nuit, tu vas te mettre à genoux comme ça. C'est la pensée de la personne qui a commencé à l'appeler. Voilà pourquoi ces choses-là, il faut rejeter en même temps. Parce que quand tu vois qu'il y a une information qui vient, que tu vois que ça ne peut même pas m'apporter quelque chose, débarrasse-toi. Parce qu'il vient pour, il veut pour semer la distraction. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce temps de la fête, on ne doit pas être distrait. La tête de prophétiser, ouais, peut-être pas là. Le prophète Jean aujourd'hui, c'est la prophétesse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, nous devons fuir la distraction. C'est très très important pour de Dieu. Amen. C'est très très important. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec mes frères et mes soeurs. Alléluia. Fuyons la distraction. C'est très très important. Levons-nous. Travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, n'oublions pas dans nos prières, nos frères, nos soeurs qui sont sortis, même qui sont quittés dans le but ici. Prions pour eux. C'est très très important. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Prions pour eux. Alléluia. Et aussi, il y a nos frères aussi dans le but de la voie large. Prions aussi pour eux. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui sont frappés de la distraction. Ils sont distraits. Oui, bon, moi j'ai Jésus dans ma vie. Moi j'adore Jésus comme Dieu. Vous voyez, c'est la distraction. Et moi, je me suis baptisé confiné. Vous voyez, en fait, c'est la distraction. Ce n'est pas Jésus dans la bouche, c'est Jésus en toi. Alléluia. Moi, j'ai pris des communions. J'ai fait des charismatiques. Vous voyez, c'est comment on appelle ça? Charismatique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Il faut que nous prions pour eux. Non. Charismatique. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Donc c'est ça, il faut que nous prions pour eux. C'est très très important. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur fait grâce à ce peuple-là qui sort de la distraction, qui vient à la lumière. Mais pas que ce que le Seigneur Jésus a dit, que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de la même chose. Au temps du Fils de l'homme. Alléluia. Soyez puissamment béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas préparer ton offrande. Tu t'as donné ton action de grâce.
Seigneur, c'est ça, par une fois, une bénédiction pour nous, Seigneur.
Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur. Voici maintenant, nous avons prié, Seigneur. Chacun de nous va rentrer chacun dans sa maison, Père éternel. Père éternel, veux-tu, Seigneur, nous conduire, nous assister, Seigneur, pendant le transport, Père éternel. Pour qu'ils vont prendre le transport, pour qu'ils voient leur voiture, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Et que cette semaine, Seigneur, soit une semaine encore, Seigneur, où, Seigneur, nous pouvons être avec toi, Seigneur, encore jour et nuit, Seigneur, en ta présence, Père éternel. Bénis, Seigneur, les enfants à l'école, Seigneur. Bénis nos familles, Seigneur, nos parents, Père éternel. Et Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Petite annonce, je crois que